Et salut à tous, on se retrouve pour une vidéo que je n'avais pas l'intention de faire jusqu'à que je découvre. C'est d'abord, je voulais raser des filles amicales, je voulais le raser en full gros bras. Et puis, je suis allé là-dedans, j'ai fait ça, j'ai découvert que les gros bras pouvaient booster leur PV. Et c'est tout. Et comme je le joue avec qu'avant, peut-être que je jouerai briques, mais j'ai boosté aussi les PV des fusillés, comme ça, c'est techniquement des gros bras aussi. Et du coup, j'ai boosté les PV, et j'ai même... Ah, bon, là, fini. Je sais pas ce qu'il fait. Ça va être long. Bon, vous avez vu, j'ai mis mal le full gros bras. Ouais, j'ai fait de la merde par contre. Hein. J'ai perdu qu'avant et tout. Mais c'est la première fois que je fais du full gros bras en opération. C'est même une des seules fois que je fais du full gros bras. C'est comme c'est une compo rare. Je vous en fais une vidéo, vous en... un gameplay full gros bras sur YouTube. Vous n'en trouverez pas 50. Bon, et là, mes gros bras, ils meurent à la fin. Alors, on va commencer par la zone des gros bras. Je m'en fous, j'attaque tout le monde. Et je sens que je vais changer de tactique. Ça va pas me plaire. Je veux que ça tape. Je veux du dégât. Je veux qu'il roule comme un rouleau compresseur, mes gros bras. C'est en partie pour ça que j'avais pris qu'avant. Hein. Je peux mettre des troupes, je les ressuscite. Ça permet de faire que la vague ne s'essouffle pas. Et même de donner un peu de DPS derrière. Après, je pourrais mettre Bulit devant. C'est pas mal aussi. Avec Sarcasme ou le truc de qui régène, au moins t'es sûr que t'as une troupe qui meurt pas. Et qui peut finir. Ou sinon, moi je vais prendre ça. Du coup, on a dit qu'on faisait cette zone. Mais il n'y a pas de gros niveau. Ils sont passés où? Ça me fait vraiment beaucoup penser au cuirassé. Parce que ça, c'est une compo très courante de cuirassé. Là, je vais pouvoir recommencer à faire n'importe quoi avec l'or.
Ah, il me reste, il me reste la midi qui est encore. Du coup, je fais là. Faut pas mettre les mines comme ça au cas où. C'est bien que contre les vagues d'Amerman et encore. C'est bien contre les vagues d'Amerman avec des grenadiers. C'est-à-dire pas souvent. Bon, en vrai, toutes les semaines, mais pas toutes les vagues ont des grenadiers. Là, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, du coup, on s'occupe, on a fini là. Parce que, normalement, il n'y a aucune base. Ben, on fait ici. J'ai cru voir niveau 75. Je me suis dit 75. Waouh! Ça n'existe pas! Oh, il va falloir taser ce coup-ci. Le plus chiant, c'est les trucs qui tassent contre ça, parce que c'est satisfaisant de voir le truc avancer et tout raser. Du coup, les électrobombes et tout. Tu te dis que cette compo est inarrêtable, elle est trop forte. C'est le cas, mais là, je tape que des niveaux 50, donc. C'est pas ma faute que. Il n'y a que ça. Bon, là il y a niveau 73, je vais me faire pougner ou pas. Oui. Ah. Voilà, on fait baisser la vie de tous les gros bras comme ça. C'est pas voulu. Et sont... Mais qu'est-ce qu'il faut là, les lance électrobombes? C'est quoi cette base? Je comprends qu'il est aussi bas. Revenez sur le QG. Oh, niveau 74. Dire que ça va être compliqué.
J'ai eu peur un peu, beaucoup. Je suis tasé un peu à l'avance parce que sinon j'avais qu'à prendre un gros bras pour rien. Mais elle n'est pas bien centrée là, madame. En soi, c'est pas très grave parce que, comme je l'ai dit, la compo est OP, mais le problème c'est que ça peut s'essouffler. Imaginez un jour où le QG peut se défendre et fait plein de petits dégâts. À la suite. Eh ben ça me ferait vachement chier. Et mais c'est fort en vrai comme compo parce que niveau 62, j'étais 62 il n'y a pas si longtemps. Ouais, bon, ça commence à dater, mais quand même. Après, je veux bien qu'il y ait un boost de 55% de dégâts. Mais c'est tout. Bon, oh. Attendez. Au total, 106% de dégâts, 35% de PV et 174% de canaux. Oui, parce que je n'ai pas boosté les PV, ce qui est idiot. J'aurais pas perdu en... J'aurais pas perdu en opération si ça avait pas boosté. Il avait boosté les PV. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et... On tente, mais on tente quoi, juste. On fait que tenter. Non. Oh, ça va passer. Bah, il aurait mis au milieu son QG du tard, mais ça s'est pas passé. Alors, oh, ça se tente, ça se tente. New Meta. Bon, elle va pas durer longtemps, mais...
Après le full Zouka, après le full guerrier, voici le full gros bras. Et après le full, j'allais oublier le full Medikit. Le full Medikit. Faudrait que je vous fasse d'autres vidéos en full Medikit. Nouveau canon, je sais pas lequel c'est. Il est là. Lui, va être compliqué. On tente, mais j'y crois pas. J'ai peur de perdre brique. Ça. What? Oh, ça. Oh, c'est fort. C'est bien passé. Bon, j'ai perdu quelques trous. Mais en vrai. Moins que. Moi, je vais amortir. Mais ça se nettoie vite la map en vrai. Bon, après, je nettoie la map avec des compos que j'aime bien. C'est-à-dire qu'ils vont plutôt vite. Hop, hop, hop. Les pires défenses du jeu, c'est celles qui ralentissent contre cette méta. Parce que c'est moins marrant. Je crois que j'ai oublié de remettre des troupes. Ah oui, mais j'ai oublié l'autre coup là. J'ai attaqué sans régénérer les troupes, vu que quand t'attaques en opération, ils te les régènent pas. Ça passe, même sans régénérer les troupes. Bon, après, c'est un niveau 54. Voilà, j'ai presque pas du tout rentabilisé le truc. Ben il me reste que le bas à faire, mais y a... c'est dense, on va dire. Vu que je nettoie jamais ce coin, en vrai, c'est un truc à faire. Bon. Je crois que j'ai utilisé toute ma canne pour rien. Mais bon, j'ai en vrai, j'ai pas besoin de beaucoup de canons. Regardez, les bestioles font le taf. Est-ce qu'on a besoin de se préoccuper des bâtiments? Non. On veut juste taper, 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 taper. On veut faire plus de dégâts et rouler sur les défenses. On est niveau 60. Pas beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gros niveaux. Bon, par contre, faire la vague comme ça sur des niveaux 70, je suis pas sûr que ça passe. Je suis
suis bientôt 70, moi. Je crois. Ah oui, je suis à moitié niveau 69. J'ai cru voir un niveau 75. Ben maintenant, on va s'attaquer au pataquès où tout a été. On va avancer dans un coin comme ça va moins se disperser. J'en étais sûr. Bon, c'est censé moins se disperser. Personnellement, je le vois pas trop. En tout cas, sur quelqu'un qui est à peu près mon niveau, elle tape bien up ça. Allez, on se fait un niveau 73. Bon, il y a sûr que... Mais il faut faire la stratégie des Zoukas, là. Des barges de Zoukas, mais je ne l'ai jamais... fait. C'est pas en soi que je l'ai jamais réussi, c'est juste que jamais essayé, vraiment essayé. En soi, si je l'ai jamais réussi, mais j'ai eu l'essayer deux fois. Un monstre débarque. Soin, faudrait augmenter le soin, ce serait parfait. Vas-y, on va focus le bâtiment le plus important, c'est-à-dire l'or. Alors allez, sympatoche sa base, mais pourquoi mettre tous ces bâtiments ici pour faire des points? J'appelle ça pas ouf comme idée. Pa. Moi j'adore ça, ça roule sur les bases. Ça peut faire un bon titre. Je roule sur les bases. La technique qui roule sur les bases. Les gros wrap. Oula, les gros wrap.
Wow, c'est des gros wraps. Des gros bras. Oh. Au revoir. Oh non. Au moins, ce qui est bien, c'est que là, je peux faire ça. Je m'en fous. C'est pas ça qui va m'inquiéter de perdre des troupes collatérales. Enfin, je vais pas me perdre. Oh mince, je fais ça au milieu des défenses. Oh, mais je vais perdre des bombardiers, c'est dramatique. Je vais avoir moins de force de frappe. Là, oui, je vais perdre des gros bras. Ok, mais on s'en fout. Il est que niveau 64. Les niveaux 73, je les genre roule dessus aussi. J'ai même pas boosté ma stat mon chef-d'œuvre de défense. Je pourrais booster encore de 35% mes gros bras, ça serait pété. Et niveau 62. Je suis en train de me dire, on va te faire stratégique, mais il n'y a pas besoin. C'est ça la stratégie. Regardez, ça c'est la vraie stratégie du jeu. Comment on gagne. Ah, j'ai oublié de taser ça quand même. Parce que sinon c'est un peu lent. La vidéo, ça va être une demi-heure de moi qui roule sur des bases. Avec ça. Ça avance, ça avance. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de temps. Le temps qu'arrivent les Zoukas et tout, qui se positionnent, ou les bombardiers, le temps qu'ils tirent. Et après, il y a leurs missiles qui arrivent encore après, alors que le bâtiment est tombé. Donc là, là, c'est un coup toutes les 0,1 seconde. C'est. Mariana, je vois d'où fuis-je.